Bonjour mes petits soeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai deux invités surprises. Je vais vous présenter Clara, ma voisine, et Kika, son surnom. Voilà, aujourd'hui, Kika a eu son Saint-Nicolas et du coup, elle voulait ouvrir avec vous en vidéo. Du coup, voilà, on va commencer par des petites alchimoles de la saison 4. Il y en a deux, comme ça. Voilà, elle va les ouvrir. Vous pouvez dire bonjour à la caméra. Hein. Bonjour, bonjour. Ouh. Bizarre. C'est très bizarre. Hein. Je connais pas du tout ça. Aïe. C'est la première fois qu'elle ouvre. Tiens. C'est pas grave, c'est ma lumière qui... Là, c'est le flyer. Ah oui, c'est trop beau. Voilà, je vous montre le flyer. Ok. Le cas déjà. Comme ceci, en attendant qu'elle ouvre. Ça ne change pas, c'est ça qui change. Voilà le petit œuf. Comment c'est. Ils sont pas pareils. Non, c'est des couleurs, différentes couleurs. Ouais. Tu sais comment on les ouvre? Oui. On frotte le petit cœur et on découvre ce qui est dans le petit. Et là, du coup, petit poupouce qui fait des bêtises parfois quand je suis en vidéo. Tu veux venir dans la vidéo? Je me présente, je m'appelle Zoé. Coucou Zoé. Bonjour les copines. Ah, moi je peux déjà appuyer, je pense. Allez, oui, quand elle est rose, vous appuyez fort. Et on ouvre. Je crois que j'ai un magnifique. Oh, elle a le plus rare. Qui? Toi? Toi? Ouais. Eh ben, c'est une édition illimitée. Je vais la remontrer. J'arrive pas à l'ouvrir le mien. Toutou. C'est en peau de velours. J'arrive pas à l'ouvrir. Et attends, c'est une édition illimitée. C'est lequel que t'as reçu? Il est beau aussi. C'est une petite licorne, on dirait. On dirait une licorne, mais c'est. Je sais pas c'est quoi. Oh, il est petit. Normalement, il illumine. Tu mets ton GSM en dessous et ils illuminent. On va voir ça. Mais avant, on n'ouvrait pas. On regarde là-bas. Allez. Tiens. C'est parti. Elle essaye avec son téléphone. Oh oui. Et je sais pas si on va le voir à la vidéo. Je sais pas non plus. Parce que c'est. En fait, il illumine. Il est tout transparent quand on le met à la lumière. Mais il est trop beau. Celui-là, non, il illumine pas. C'est une édition illimitée, celui-là. Mais c'est un ultra rare. Je vois rien du tout. Voilà, alors maintenant elle a un autre cadeau qu'elle a reçu de Saint-Nicolas et c'est le bébé alchimole. Ce sont des jumeaux. Petits jumeaux. Je vous montre le petit bois. C'est des deux jumeaux, comme ça. Voilà. Et je crois qu'on va s'y mettre. Ouais. Parce que sinon. En espérant qu'on arrivera à le sortir dans cette vidéo, je te laisse ouvrir. J'ai envie de le découvrir avant elle. Waouh! C'est aussi parce que. Tu veux que je retire ton collant? Non, ça va. Il y en a plein pour le moment. Et... Je vous le montre après. Si elle arrive à retirer les autocollants. Non, même pas, ça n'intéresse pas. Je vous montre le vla. Il n'est pas si grand que ça, mais il est grand quand même. Il est grand, bah oui, quand même. Il est beau. Mais par contre, je sais d'abord le flyer. C'est quoi? Et tu vois, normalement, il est là. Je connais pas le flyer. Le papier pour dire comment on fait pour l'ouvrir. Mais moi, je sais comment on l'ouvre. Bah, moi, je veux d'abord voir. Bah, parce que je sais pas. C'est une blague. Il y a des papiers collants partout. Mais partout.
Trop fort. Ouais, en fait. Un livret. Ouais, je vais te montrer quand t'auras regardé ton œuf. Je vais le voir parce que. Il est beau. Maintenant, tu retires ça. Ouais. Et il va bouger. Si j'y arrive. Alors, ça. Voilà. Ah, il a parlé. Oh, désolé. Là, il y en a qu'un qui a parlé. Hein. Alors, je vous montre. Il y a plein de copies, mais il faut trouver le français. Oui. Viens, on y commence. C'est les yeux. Attends. Et ça, c'est le deuxième qui va parler. Putain, il y en a des papiers, hein. Je cherche le français. Ouais. On s'y met à deux. Oui, il faut lui faire des câlins, le tapoter au cul. Et, oui, non, les fesses. Mais le cul, c'est là, hein. Non, tu dois faire comme ça. Ok. Puis le secouer. Le caresser. Et faire des câlins. Oh, je cherche après le français, ça fait dégager. Je sais pas si vous voyez, mais il a des petits yeux rouges. Voilà. Je me demande c'est lequel. Voilà, le petit papier qu'on reçoit avec. Enfin, on en a plusieurs de toutes les langues. Voilà, quand ses yeux sont roses. Là, ils sont roses. Je vois pas être lumière. Toi, tout est là. Tout est annoncé. Quand il est malade, quand il est... Ah, rouge. Normalement, il a les yeux de toutes les couleurs quand... Ça fait tac, 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 tac. Que là, t'en as toutes les langues. Hein. Oh, regarde. Pose-moi une question ferme et je réponds oui ou non. Oh, trop fort. Mais quand il aura sorti, hein. Et il parle en plus. Il a la tête étourdie. Là, ils sont... Ah, c'est normal qu'il y ait deux couleurs différentes. Oui, parce qu'il y en a deux. Non, il y en a plusieurs, vraiment. Non, mais non, il y en a deux, dedans. Mais oui. Oui, il y en a deux. Il doit y avoir deux yeux, normalement. Oui, là, il y en a un. Mais regarde, ouais. Les couleurs, regarde, vert, là. Il veut dire quoi? Appuie sur le bouton de la tête des jumeaux pour jouer aux notes en harmonie. Et là... Pour le moment, j'essaye de les faire. Donc, eux, ils sont vert et rose clignotant en harmonie. Ça y est, on voit les deux yeux. Le jaune. Ah ben, le rose et le jaune. Il y avait le rose et le jaune, mais... Le rose, il faut le frotter. La tête, les yeux, le nez. C'est bien détaillé, je vous montre. Comme ceci. Par contre, si vous mettiez à le... Il vient mais le coucher. Il faut écouter parce que normalement s'il fait toc toc, il faut lui faire toc toc. Regarde. Voilà. Toc toc. Je sais pas s'il va sortir dans cette vidéo. J'espère. Ou seulement on fera une prochaine après. Ouais, on fera deux parties. Je sais pas si vous entendez, mais les bruits ils sont drôles. Non, ils n'étaient pas assez près. Regardez les yeux déjà. Drôles. On voit celui-là. Les yeux ils sont vraiment, vraiment très drôles. Et quand on le caresse, il réagit. Bizarre parce que quand tu le caresses, il a déjà toqué. Oui. On dirait que tu m'as signé dans la vidéo. On dirait un peu de loin. Moi, non. Allez. On voit les yeux là, jaune et rose. Rose, oui. Ouais, c'est rose. Hein. Et après, on lui fait des câlins. Ouais. De toute façon, on fera comme ça, on les mettra là, il y aura ça. Ah. Non. Normalement, quand il sort l'œuf, il ramollit un peu. Mais l'œuf est toujours dur. C'est normal, c'est parce que le. On dirait un vampire, les dents.
le bébé sort. Est-ce qu'on va avoir des filles, des garçons? Ah, des faux jumeaux? Attendez, parce que je regarde le flyer, moi j'ai pas vu encore. Mais regarde, il y a celui-là aussi. Ok. Oui, mais moi je veux voir quel shop. Voilà. Merci. J'ai le. Oh, bien, en fait, il montre. Comment faut faire. Mais il y a des piles en plus, il y a des piles en plus. Ouais, et alors ça fonctionne avec des piles. Prends soin de notre œuf jusqu'à ce que notre éclosion. Tu peux incliner, tapoter ou toucher notre œuf. En plus, vous voyez, il monte bien. Le rose clair, c'est quand ah, Keba. Il vibre. Il tourne, là. Ah oui, regarde, il change de place. C'est bien. C'est bien fait parce qu'il bouge. Ça vibre. Normalement, il va donner des coups quand il éclose. Ouais, c'est ça que tu disais. Bizarre. Elle sera un petit peu longue cette vidéo, mais. Faut pas toujours fixer comme vous voyez. Ils disent pas de être comme ça devant l'œuf, mais vraiment c'est bien. C'est normal, hein. Tu vois. Et ils expliquent bien. Oui, assis-toi. Oh ah, regardez. Ah, tu vois, voilà. Elle, tu... Attends, aide-le tout doucement. Ah, waouh. Oh, c'est... Ah, c'est comment? Regardez. Wow. Tête. On est un garçon pour le moment. On essaye de les faire sortir. Oh, un petit garçon. Wow. Et une fille. Oh, bonjour. Waouh. Bonjour. Coucou. Je vous présente Coucou. Le petit garçon. Un petit garçon, donc du c'est coup... C'est des faux jumeaux. Je crois que c'est quelle couleur ici? Vert, attention. Oh, toutes les couleurs là. Normalement, il est content. Tiens. C'est quelle couleur normalement? Le bleu. Et je vous montre le deuxième, il est trop bonjour. Magnifique. C'est une fille et un garçon, donc ouais. Du coup, c'est des faux jumeaux. On dirait pas que c'était déjà Chimal. Oh, ça me donne envie d'en avoir un. Bonjour. Ça, c'est trop faux. Regarde. J'ai... Écoutez, il fait de la musique. Il chante. Regardez, bouge les ailes. T'as vu qu'il fallait pas une journée hein, que tu disais. Ben, ça dépend comment tu le. Mais là, on l'a bien nourri, on a bien tout fait. Cotonne, ça a pris 10 minutes. Oui, tout à l'heure, on montrera. Tu mets pas devant. Tout à l'heure, on montrera tout en fait. On ouais, on les trucs. Ils là. Ont des petites ailes, ok, ils sont vraiment beaux. Je vous montre les deux, comme ça après je les rends. En et plus, vous voyez bien, c'était un gros œuf. Un gros œuf. Ils étaient comme ça. Ah, ah, l'inverse. Même pas devant. Bon, mais ça, toi. Mais attends, voilà. Je vais toucher tout ça. Regarde l'intérieur. Maintenant, il faut leur trouver des petits noms. Alors, moi j'ai deux noms. Une fille avec Thiago, Lila, oh et... Non, et donnez un nom. Moi j'aurais dit Thiago. Non. Younes. Non. Raphaël. Non. C'est beau. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des noms pour un Rémi. Garçon. Rémi. Ouais. Rémi, moi j'aime bien. Rémi et quoi? Rémi et Lila. Et pour une fille, Lila. Ouais, c'est joli. Lila, ah, moi j'adore ce nom. Moi j'aime pas. Clochette. Non, l'intérieur de l'œuf, moi j'aurais le garçon alors. Pour jouer. L'intérieur c'était vraiment ouais. Beau. Et c'est en plus, bizarre. Ce qui est et bien plus, c'est. Avec des trucs. Il est beau et en fait la matière c'est. Ah, ça sera joli. La matière elle est toute douce en fait. Et il se casse facilement. Regardez, vous voyez, vous forcez ça un petit peu. Ouais, ça va, ouais. Arrête de vibrer. Donc, comme vous voyez, tout doucement, tout l'œuf s'est ramolli et puis on a pu. Ouais, c'est bon. Bon, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous a plu, les petits assimoles, les grands. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.